Champ TV reportage au plein cœur de Reims, ou presque, avec cette école d'art appliqué et de design à distance. Surtout, c'est tout le principe d'EDA. Il n'y a pas de rentrée scolaire. Par contre, il y a un directeur qui nous attend, monsieur Alexandre Coco. L'objectif de l'école EDA, c'est de permettre à chaque personne qui est intéressée par le domaine artistique, que ce soit la décoration d'intérieur, la photographie, le graphisme, l'illustration, de pouvoir se former efficacement et à distance. Pour ça, on a développé une méthode pédagogique qui repose sur trois principaux piliers. Le premier pilier, ce sont des cours en ligne accessibles 24 heures sur 24 que les élèves peuvent consulter et qui sont structurés de manière progressive, découpés en différentes phases. Le fait de travailler à distance, les élèves sont complètement autonomes sur leur manière d'organiser finalement leurs cours, le temps qu'ils vont pouvoir consacrer à leur formation. Il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas non plus de deadline imposé. Simplement, ils ont 3 ans pour réaliser leur formation. Après, libre à eux de s'organiser comme ils le souhaitent. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement pédagogique. Il est extrêmement important pour les élèves d'être suivis par des professionnels du domaine qui vont pouvoir les guider tout au long de leur cursus. L'équipe qui accompagne les élèves au quotidien, en fait, peut répondre à des questions par mail ou à des questions en direct par téléphone. Et donc, accompagner les élèves sur leurs projets personnel, leur projet d'école, donc les devoirs sur lesquels ils travaillent pendant leur formation, mais aussi, pourquoi pas, leur proposer des rendez-vous TeamViewer, notamment donc pour leur donner des clés sur des logiciels qu'on peut voir pendant la formation. Ça peut aussi être des questions un petit peu plus larges sur le métier, l'insertion professionnelle, comment bien préparer un CV, comment préparer son book. Et le troisième pilier, c'est l'ensemble des exercices et travaux pratiques. Ce sont des cas concrets comparables à ce que les élèves pourraient rencontrer dans leur futur monde professionnel. On est dans des métiers créatifs, donc le plus important, ce sont les compétences et c'est le book qui parle. On peut avoir des compétences qui vont être très solides et qu'on peut mettre en avant, en valeur, si on a des très jolis projets à présenter avec un certain sérieux, ça peut tout à fait fonctionner. On a des personnes de 17 ans ou 18 ans, on a des personnes de 60 ans, des étudiants, des demandeurs d'emploi. Les élèves peuvent s'inscrire tout au long de l'année, il n'y a pas de rentrée scolaire. L'idée, c'est vraiment que l'école s'adapte au rythme et au projet de chacun. Vous en savez plus maintenant sur cette école d'art appliquée à distance avec l'équipe dirigée par Alexandre Coco. Toutes les informations sont en bas de votre écran et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Champ TV Reportage.